Au Congo-Brazzaville, face à l'impérieuse question de la diversification des sources de financement de l'école, dans un contexte où la situation macroéconomique du pays ne cesse de se dégrader, les participants à la 19e session du Conseil national de l'éducation ont, à l'issue de leurs travaux, esquissé un certain nombre de pistes de solutions sous forme de recommandations à mettre en œuvre par l'État, mais également par les partenaires, les parents d'élèves, les élus locaux et les promoteurs du secteur privé de l'enseignement. L'État ne disposant plus assez de moyens pour faire face aux nombreuses dépenses liées au fonctionnement de l'enseignement. Au nombre des recommandations, on peut citer le maintien de la gratuité de l'enseignement au Congo, un principe acquis en 2008 qui n'est pas remis en cause, la création d'un fonds de soutien à l'éducation et la participation de la communauté scolaire avec l'implication ici de tous les acteurs à la vie de l'école. Nous avons manifesté notre disponibilité à pouvoir accompagner, appuyer, contribuer, tant soit peu, à apporter quelques contributions financières au niveau de l'école. Et cela a été confirmé par la dernière communication, qui était une communication orientation du ministre, qui a reconnu qu'effectivement, ce serait une forme en fait, de préfinancement que la communauté parentale pouvait apporter, mais par rapport à des rubriques bien précises. À titre d'exemple de contribution des partenaires techniques au développement, l'on peut citer déjà celle de la Banque mondiale intervenant en appui au pouvoir public qui vient de son côté de cofinancer à hauteur de 70 millions de dollars le projet d'appui à l'amélioration du système éducatif PRACED que le gouvernement congolais a lancé le 14 septembre.